Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo suite à la vidéo qui s'était tournée ici, en plein dans la cave, où on avait vu, enfin plutôt je vous avais montré un petit peu, le contenu de tout ce qui concernait au cas où le matériel en cas de catastrophe nucléaire, si on peut dire. Mais en tout cas c'est juste du matériel à porter si jamais il y a une contamination aérienne pour éviter d'être contaminé entièrement. Donc avec combinaison, masque, gants, sous-gants, sur-gants, bottes, iodure de potassium et un petit peu de matériel médical en plus qui peut se rajouter avec justement deux petites vidéos qui passeront sur la chaîne, qui sont passées sur la chaîne à différents moments. Donc n'hésitez pas au cas où à aller voir tout ça. Et du coup, ce qu'on était ressorti lors de cette vidéo, c'était que certains petits abonnés, hein, quelques-uns, il y en a quand même quelques-uns, c'est cool, vous avez remarqué un petit peu le stock de bouffe. Alors il y en a eu un petit peu plus entre-temps. Mais du coup, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc, on a une grosse partie de conserves, tout simplement, qui peuvent être mangées directement, autant froides que chaudes, mais plutôt dans le sens, voilà, à réchauffer. Donc, je vais vous montrer ça au détail, hein. Je vous fais un petit inventaire rapide. Donc, des conserves, on a quelques légumes, on a tout ce qui est thon en huile avec différentes préparations, des choses déjà faites. Du pâté, des sardines, on a ce qui s'apparente à des nouilles chinoises aussi, donc au cas où à réhydrater, il y a la petite préparation, un petit peu d'huile à l'intérieur, donc vous connaissez hein, les nouilles instantanées. D'autres petites conserves en individuel, un autre pack de conserves individuelles unitaires, donc avec des plats préparés, un petit peu de sardines et compagnie. Et sur le reste, ici, vous avez un petit peu, donc voilà, d'autres plats préparés. Et là, c'est un petit peu, alors c'est un petit peu en suspens, hein. C'est pas complètement bloqué, mais c'est un petit peu pour ce qui concerne un petit peu les petits plaisirs, si on peut dire. Donc on a des petits boules choco, des chamallows, on a d'autres choses qui sont à racheter, mais que je voulais quand même garder là à titre d'exemple, comme le cacolac par exemple, c'est français, je crois, de ce que je me souviens. C'est entre guillemets du chocolat chaud froid, du chocolat froid, donc lait et voilà. Les collecter et transformer en France. Donc c'est des conserves, un petit peu un équivalent de petit-déj qui pourrait valoir ça. Donc peut-être même à rajouter entre guillemets dans un sac d'évacuation ou autre pour des enfants, ça pourrait être très, très sympa pour en équivalent. Après on a quelques médicaments donc, que je rajouterai en plus. Du beurre de cacahuète, parce que bon moi j'aime bien ça à tartiner. On a des poires, des fruits en salade de fruits. On a également de la crème Mont Blanc, hein, que je vous conseille fortement d'avoir. Des petites portions individuelles, donc d'ananas, de fruits, d'abricots, de pêche. Tout ce qui est conservable, voilà, dans le sens de vraiment des fruits qui peuvent être mangés comme ça directement. Donc en grande quantité, dans les pots de 840 grammes, quelque chose comme ça. Et les autres en plus petits de 400 et des poussières. Pour... En gros, les petites conserves comme ça, c'est portions pour une personne, hein. Après, bon, ça peut très bien être mangé à deux ou à plus, hein, à réguler. Et il y a également quelque chose d'autre que j'ai trouvé il n'y a pas si longtemps, que j'avais connu quand j'étais dans ma pleine enfance, il y a plus de 15 ans en arrière, et que j'avais jusqu'à présent pas retrouvé, et que je pensais que la boîte avait fait faillite au final, alors que pas du tout, et il y en a toujours autant, c'est la crème de marron. Alors ça, crème de marron de l'Ardèche, depuis 1885, je vous conseille extrêmement, enfin fortement, à tout point de vue, d'avoir de la crème de marron. C'est, entre guillemets, si on pourrait dire, presque comme le Nutella français, mais que, alors je sais pas si beaucoup de personnes connaissent ou pas, mais en tout cas, c'est fait avec la crème de marron, des marrons glacés, c'est une pâte à tartiner au marron, très sucrée, mais vraiment extrêmement bonne. Donc vous avez des portions comme ça de 500 grammes, vous en avez d'autres d'un kilo, vous avez également des choses qui se conservent comme ça de la même manière mais qui sont en tube, donc conditionnées en tube, vraiment en mode gros tube dentifrice, hein, bien plus gros, ou des choses un petit peu plus petites, et vous avez même encore une taille un peu plus petite, vraiment en format poche. Mais voilà, ça en tout cas, donc aussi bien à avoir ça, je trouve, dans une réserve alimentaire, parce que c'est déjà extrêmement bon, et ça fait, c'est extrêmement réconfortant, et c'est sucré, c'est vraiment très bon. Parce que bah, voilà, ça se conserve 5 ans, hein, on est vraiment sur de la conservation longue durée pour ça, conserve équivalent. Et également, au cas où, comme pour le cacolac ou autre, pour un sac d'évacuation, ça peut vraiment valoir le coup. Donc en tout cas, je vous conseille, le stock n'est pas complet, hein. Il y a des choses qui ont été un petit peu déplacées, reculées, des choses qui sont en phase de test, d'autres choses à voir.
Également, vous le voyez peut-être un petit peu moins, je vais vous montrer ça juste. Mais du coup, voilà, je vous montre ça un petit peu mieux. Vous avez toute la partie donc, que je vous disais en plus, conserve individuelle, donc qui peut être en apport de ça, que je n'ai pas pu mettre parce que je n'ai pas envie que ça se pète la gueule, donc ça reste là de côté pour le moment. J'ai également du matériel de pêche, bon, c'est pas du tout alimentaire, mais au cas où, si jamais il y a besoin, ça touche un peu l'alimentaire quand même, hein, les poissons, donc voilà. Et on a évidemment toute la réserve qui concerne la partie bougie et allumage, donc qui, au cas où, potentiellement, avec des grosses bougies comme il y a là, de pouvoir chauffer des grosses conserves ou des plus petites. Je vous ai également fait une vidéo sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets la vidéo en fiche au cas où. Vous aurez juste à, voilà, à attendre un petit peu et à prévoir pour chauffer vos conserves. Mais c'est quand même possible de faire ça, de chauffer une conserve avec une bougie, une flamme de bougie. Ça paraît logique. C'est logique que ça fonctionne, donc on ne va pas plus se prendre la tête pour ça. Donc voilà, dans l'ensemble, tout ce qui est ici en tout cas, donc en tout cas surtout pour la partie thon et conserve, c'est vraiment ce que personnellement je préfère dans l'alimentation que j'ai pu tester. Donc voilà, on se retrouve vraiment sur la partie conserve, thon et compagnie qui pour moi est vraiment le top actuellement. Je voulais vous faire un petit peu un top individuel au cas où avec des tests de goût et autres, donc si jamais ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mais pour faire des tests de goût un peu sur un petit peu ces conserves là. Les conserves de thon entier petit navire, pour moi c'est vraiment les meilleures, donc celles-là, elles sont à l'huile de tournesol, elles sont vraiment bonnes. Celles qui sont un cran au-dessus, c'est les miettes de thon à l'huile d'olive vierge extra. Celles-là, elles ont vraiment beaucoup de goût. Mais les deux sont vraiment très cool pour ça. Vous en avez également une autre variante qui est sympa, donc c'est les tomates à herbes de Provence, sans arôme ajouté, donc toujours petit navire, qui sont pas mal du tout. Et d'autres qui changent vraiment de l'ordinaire et que j'adore, mais vraiment de temps en temps, hein, mais vraiment que j'adore. C'est pareil, le petit navire, donc le mariné, vinaigre balsamique et échalote, que je vous conseille également fortement d'avoir. Donc il n'y a pratiquement pas d'huile dedans, hein, vu que c'est voilà, vinaigre balsamique. Mais ça a vraiment un goût relevé. C'est vraiment bon et c'est vraiment corsé, c'est très plaisant. Je ne l'ai pas trouvé au cas où au drive à Leclerc. Mais en tout cas toutes ces conserves là viennent de Leclerc, mais en tout cas elles sont achetables en magasin et je vous les conseille fortement. Pour moi, si vous vraiment vous devez pallier sur du thon en boîte de quelque manière que ce soit pour en avoir de côté en conserve ou même dans votre cuisine juste pour manger comme ça de temps en temps, je vous conseille vraiment les quatre, donc le mariné, thon et fines herbes et les deux huiles d'olive vierge extra et huile d'olive entière. Pour moi, c'est vraiment les quatre meilleurs. Après, il y a une autre variante aussi qui est pas mal de temps en temps. C'est avec le mariné basilic, ça change. Il y a moins d'huile, mais c'est bon aussi. Il y a un petit goût. Mais en tout cas, pour moi, les 3-4 meilleurs, c'est celle-là. Les trois là et au cas où, thon en plus. Donc voilà, pour moi, ça, c'est vraiment le top du top niveau conserve. Donc je vous conseille après d'en avoir suivant déjà vos moyens. Et surtout, suivant vos goûts. En tout cas, moi, j'aime bien l'huile et tout ça. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment cool. J'ai également de côté, donc, rajouté du cornet de bœuf. Alors, le cornet de bœuf, si jamais vous ne connaissez pas, c'est pas incroyable. Hein, on va pas se mentir. C'est juste, entre guillemets, l'équivalent de la viande hachée, assez neutre en goût. Mais ça apporte au cas où toujours une réserve alimentaire. Disons que si jamais tu as ça dans un sac, juste ça fera l'équivalent de te nourrir pour un ou deux repas. En tout cas, la fois que je l'avais passé en plusieurs fois parce que ça avait vraiment pas de goût. Fallait assaisonner de fou pour que ça relève un minimum. Donc, c'est pas très goûtu. Franchement, ça n'a pas vraiment de goût. J'en ai vraiment là en réserve uniquement parce que c'est un apport de nourriture conséquent et que voilà, ça se conserve 4-5 ans. Si jamais vous ne mangez pas directement, bah au cas où c'est toujours passable dans, je sais pas moi, un hachis parmentier ou un plat, une viande en sauce, un truc comme ça, vous pouvez équilibrer ça ou avec de la purée, de la mousseline, n'importe, et tu te fais une petite préparation, ça passe comme ça et ça le fait à peu près. Donc voilà. Après sur les pâtés, donc là ça ce sera à tester, j'ai pas d'avis pour le moment. Pâté naf, c'est pas mal, hein. Donc au niveau des pâtés en conserve, c'est assez simple.
Disons que ça a du goût, c'est passable, c'est pas incroyable, mais à avoir, je trouve que c'est pas mal. Surtout que c'est pareil, du pâté qui se conserve 4-5 ans. Donc après, évidemment qu'il y a les pâtés comme ça en bocal vert, qui sont aussi bons, hein, qui sont tous à peu près passables. Mais les pâtés en conserve ont le mérite de résister un petit peu plus longtemps et d'avoir une, enfin voilà, de résister un peu plus longtemps. Donc sur ça, il y a le pâté énave, donc vous avez en longueur comme ça. Vous l'avez aussi en petit diamètre, un petit peu dans ce style-là, en pâté ENAF. Là, c'est du pâté de campagne, qualité supérieure, qui est pas mal bon aussi. Il est vendu par 3 en longueur, au cas où, si vous voyez ça. Donc toujours du côté de la bouffe française. Donc voilà, moi sur ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc en tout cas, c'est plutôt mangeable facilement. Et après, donc je vais terminer juste avec les... Avec les sardines, il y a comme ça, sur ça on sera bon. Du coup, sur les sardines, alors c'est un petit peu plus compliqué parce que dans l'ensemble, et puis pour le thon, on pouvait avoir du thon naturel aussi, évidemment, mais ça c'est vous qui voyez. Comment ça s'appelle? Pour les sardines, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de variantes de goût. Il y en a certains, par exemple, des boîtes de sardines qui sont pareilles au piment. Et je vous garantis que c'est très relevé, même si genre il y a du piment d'Espelette ou autre, ça déchire quand même, faut s'accrocher. Donc je vous conseille quand même plutôt les sardines sains, naturelles, si on peut dire, juste à l'huile simple. Donc moi, ce qu'on est ressorti sur les sardines dans ce que j'ai pu tester, c'est que la plupart du temps, en tout cas au début, je prenais des choses comme ça. Donc pêche océan, filet de sardines, huile d'olive, vierge extra. En général, de cette marque-là et de ce type-là, pour moi, c'est à peu près les meilleurs de ce niveau-là. Bon, c'est en marque repère, hein, on s'en fout. Hein. Mais voilà, en Nutrit Corsé, sans arête, justement. Hein, prenez au cas où bien sans arête, c'est un petit peu plus agréable qu'avec arête, parce que sinon, t'es entre guillemets. Enfin, en tout cas, moi, perso, je le mange quand c'est avec arête, un peu plus avec de la mayonnaise. Et du coup, ça passe un peu plus pour les arêtes, alors que quand c'est vraiment sans arête, juste à l'huile. C'est un petit peu plus désagréable à manger, enfin pour des enfants ou autres, enfin, je ne vous conseille pas forcément. Après, bon, chacun ses goûts, hein. J'ai peut-être peut-être des goûts différents suivant comment c'est passé. Mais en tout cas, voilà, pareil, elle se conserve quelques années, toujours, évidemment. Ça change pas, je ne sais même plus où est la date, voilà, c'est là. Voilà, 4 ans. Donc celles-là, elles sont pas mal, ok? Mais la raison qui fait que j'en ai plus qu'une comme ça, c'est que justement j'en ai testé d'autres marques et pour moi, donc celles-là elles viennent pas de Leclerc par contre, celles-là elles viennent d'Intermarché, si je me trompe pas. C'est alors vous l'avez peut-être jamais vu ou très peu, en tout cas elles sont en général tout en bas des rayons ou autres. C'est de la marque El Pelletier qui vient de Doëlan en France, des boîtes jaunes comme ça. Elles sont, pour moi, c'est les meilleures qu'il y a actuellement. C'est des sardines à l'huile de colza. C'est ça la grande différence par rapport aux autres qui sont à l'huile d'olive, ou comme le thon à l'huile d'olive également. C'est que là, c'est à l'huile de colza et ça a vraiment un goût différent. Et on ressent plus la sardine. Et je crois qu'elles sont également sans arête. Je suis pas sûr, celle-là. Je ne saurais pas vous dire, c'est pas noté de toute façon. Mais elles sont extrêmement bonnes. Donc c'est pour ça que j'en ai également quand même cette boîte sur ça. Parce que pour moi, c'est vraiment les meilleures boîtes de sardines à ce niveau-là. Et elles sont vraiment extra. Après, évidemment, j'ai d'autres choses comme ça, comme des filets d'anchois. Ça, c'est parce que mon père aime ça. Et du coup, c'est histoire d'en garder de côté. Parce que bon, c'est extrêmement salé. Mais bon, voilà, si jamais il y a un souci, comment dire, un effondrement ou autre, on est un petit peu tous pour là, tout ça, tous là pour là, quand même, tous là pour ça, hein, au cas où. Ben, disons que ça fait écho à des souvenirs, je pense, et par exemple pizza à l'anchois ou autre, et ça peut permettre d'avoir voilà, de bonnes choses en tête. Donc, des petites boîtes de sardines, de filets d'anchois. Vraiment très sympa aussi, je vous conseille. Pour les maquereaux, alors j'ai fait énormément de tests, je vous assure que les maquereaux, j'étais assez blasé. En général, il y a beaucoup de goûts différents sur les maquereaux. Vous en avez à la tomate, aux huiles piquantes, à la moutarde ancienne, avec différentes sauces. En général, pour moi, c'est assez dégueulasse. En général, vraiment, sur les maquereaux, j'étais assez déçu. En tout cas, là, c'est de la marque Sopiqué. Pour moi, les meilleurs actuellement, c'est ceux à l'herbe de Provence. Ils sont à l'huile et herbe de Provence. Et c'est actuellement ceux, donc maquereaux grillés, comme vous voyez. C'est ceux qui ont le meilleur rapport goût-prix, si on peut dire.
et même dans l'ensemble en termes de goût. Donc ceux au macro, c'est pour moi actuellement les meilleurs. Enfin les macros aux Arts de Provence, désolé. Donc voilà pour ça. En tout cas, donc niveau thon et autres, donc je vous conseille les macros, les boîtes de thon, je vous ai fait le bon article juste avant. Le pâté, je vous conseille d'en avoir quelques boîtes, ça peut être pas mal pour de la rondo ou autre, et même mentalement. Après, il y a le cornet de bœuf, donc qui est plutôt cool. Enfin, qui est plutôt cool, parce que c'est assez neutre. Vous en avez d'autres, c'est des boîtes de jambon aussi. Je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais j'ai pas encore testé, donc j'ai pas d'avis sur ça. Après, tout ce qui est préparation, donc lentilles, carottes, petits pois carottes, ça passe très bien. Justement, on a un petit peu d'haricots verts ici, d'haricots beurre. Donc sur ça passe plutôt pas mal. Là, par contre, je vais vous faire un petit peu l'article des choses qui ne sont pas bonnes à avoir justement et qui sont extrêmement dégueulasses, comme dans la variante des macros, où il y en a certaines qui sont à gerber carrément. Donc je vais vous faire ça. Du coup, on est toujours sur la suite de ça. Donc là, sur un petit peu les conserves qui ne sont pas bonnes du tout, parce qu'il y en a quand même, hein, malheureusement. Au niveau des plats préparés, alors ça, c'est un petit peu quelque chose qui m'emmerde pas mal quand même. Alors, donc vous avez les pâtés là, en général, hop là, ça se fout en vrac, c'est pas grave, ça dégage. Donc les cornets de bif et machin, ça de côté. Pour moi, les plats préparés les plus dégueux actuellement, c'est tout ce qui est plat en sauce, entre guillemets. Tout ce qui fait écho au coq au vin et bœuf bourguignon. Ces deux conserves là, donc c'est côté table. De la marque, enfin Marc Robert côté table. Pour moi, j'ai testé ça, c'est vraiment les pires. Parce que la sauce est à base de vin et bon, je vais pas cracher sur la qualité qui est employée pour ça, mais vous doutez bien que la qualité est pas folle. Donc la sauce est pas ouf, les accompagnements non plus, et la viande est plutôt considérée comme pas vraiment de la viande vu qu'il y a limite plus de gras et de tendons que de viande. Donc c'est vraiment pas ouf pour ça. Donc ces deux-là, coq au vin et bœuf bourguignon, ça peut peut-être vous faire de l'œil, mais je vous les déconseille absolument. C'est vraiment pas bon et ça c'est vraiment un truc que je vous conseille pas du tout. Donc vraiment à ne pas avoir. Après, vous avez les saucisses lentilles. Donc ça, celles-là, elles sont plutôt bien. C'est assez simple, hein. Pour moi, c'est un petit peu les saucisses lentilles comme ça. On est du même niveau que le pâté neuf ou le pâté en conserve. Ça se mange, c'est pas incroyable, c'est bon, c'est correct, mais c'est pas un truc de ouf non plus. Donc, mitigé, mais ça mérite d'être là en tout cas. Donc, tout ce qui concerne les nouilles instantes à avoir. Après, bon, si t'as pas de source d'eau, bah t'es baisé. Donc, c'est pour ça qu'il y en a, mais il n'y en a pas non plus des tonnes. Ça peut être à avoir. Voilà. Ça peut être à avoir. Moi, je trouve que ça peut être intéressant. T'as juste à faire chauffer un truc, à faire chauffer de l'eau. Limite, entre guillemets, bougie, pareil. Tu passes 2 heures peut-être à faire chauffer le truc. Mais au moins, t'as de quoi bouffer. Bon, voilà. C'est pas ça. C'est pas un truc de ouf non plus. Hein, c'est pareil. Mais voilà, dans la variante des côtés tables, donc là des coqs au vin et bœuf bourguignon, par contre, vous en avez certaines qui sont vraiment bonnes, comme le mijoté de mouton, où il y en a une autre au poulet également, je crois que c'est poulet curry. Celles-là, pareil, elles viennent d'Intermarché, je crois. Donc, peut-être pas les deux là, mais en tout cas, mijoté de mouton, et il y en a une autre au poulet curry, où il y a deux, trois variantes. Elles sont très bonnes pour une personne, c'est justement sur ça que j'avais testé au début pour chauffer les conserves. Donc justement j'avais fait une vidéo pour chauffer les conserves, donc je vous la mets en fiche. Donc sur ça, vraiment top. Par contre, on a toujours d'autres variantes, d'autres choses qui sont mangeables, mais qui sont là, on va dire, juste pour te remplir le ventre, si on peut dire. Je veux parler des cannelloni pur bœuf et des raviolis bolognaise. Alors ça, malheureusement, c'est pas incroyable non plus. Les raviolis, pour moi, ont le mérite d'être un petit peu meilleurs en viande et en sauce tomate, qui permet d'équilibrer un petit peu plus le goût avec le goût des pâtes assez fades. Par contre, les cannelloni, pareil, celles-là, je vous les déconseille.
vraiment, elles ne sont pas ouf du tout. C'est, disons que si vous les avez en cave ou en réserve comme ça, si t'es vraiment dans la merde, si t'es vraiment en mode il n'y a plus de bouffe dans les magasins et tout, si t'as ça de côté, bon, tu seras content évidemment. Mais entre guillemets, pour te faire du bien à un instant T, c'est pas fou. Franchement, c'est pas fou. Donc pour moi, c'est du style des conserves à pas forcément avoir. Les raviolis bolognaises, c'est un cran au-dessus, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Donc moyen, vraiment moyen. Ce qui concerne les spaghettis bolognaises, j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Donc au cas où, je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Si justement ce format-là de vidéo un petit peu fouillis, mais avec plein d'explications, vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un like, au cas où à vous abonner, à partager les vidéos. Je sais que ça peut paraître relou, qu'il y a beaucoup de personnes qui vous le disent, mais actuellement sur la chaîne, on n'est même pas 300 abonnés. Donc, il y a besoin d'une communauté, ok? Donc, si vous pouvez participer, vous en serez très reconnaissant. Et n'hésitez pas à le dire en commentaire, ou justement, je pourrais vous signaler pour une prochaine vidéo et dire, c'est grâce à toi, ou grâce à toi, ou grâce à toi, qu'il y a eu tant d'abonnés et qu'on n'est plus sur la chaîne. Donc, voilà. À part tes faits, donc spaghetti bolognaise, pas forcément trop testé. Donc, ravioli, machin, truc. Donc voilà, alors là on va passer encore sur autre chose qui n'est pas extrêmement dingue, alors attention, c'est tout ce qui concerne les quenelles. Alors là, ça aussi j'étais assez déçu. Les quenelles, donc toujours achetées du côté de Leclerc. Alors elles présentent plutôt pas mal, hein, sauce bien lustrée, bien nickel et tout. En général, c'est moyen. On est un petit peu du même niveau que les cannelloni pur bœuf pour moi. Ça se mange, mais faut des épices pour relever le truc. Vraiment, très clairement, les quenelles au saumon, donc sauce normande, sauce financière, sont pas dingues. Sont vraiment pas dingues. Bon, par contre, les sauces financières, il y a vraiment des morceaux d'olive dedans. Donc c'est un petit peu plus quali sur ça, je trouve, et de champignons également. Mais le goût, enfin voilà, tu le bouffes avec du riz, mais le goût est vraiment pas ouf. Pour moi, c'est vraiment très limite. Sur ça, c'est vraiment très limite. On en a une autre aussi, je crois, que sauce champignon, qui est pas dingue non plus. Pour moi, la meilleure des petites conserves comme ça, quenelle, pour moi, c'est les natures. Ce qui est plutôt étrange, parce que tu dis que les natures, elles baignent dans la flotte, du coup, qu'elles pourraient être complètement gorgées de flotte et dégueulasses. Et au final, pas du tout. C'était même le contraire, j'ai trouvé. Alors par contre, elles sont pas du tout dans un format comme ça, en forme quenelle allongée, arrondie ou autre. C'est des petites quenelles un petit peu grosses comme le pouce, hein, pour visualiser le truc. Comme des petits cylindres en fait. Et donc des petites quenelles à l'eau, vous retirez les 80% d'eau, même les 90% plutôt, vous avez goûté le truc. Et vous les faites juste à la poêle. Vous les faites revenir quelques minutes, puisque ça les dore un peu. Et les manger nature, pour moi, c'est les meilleurs. Donc, c'est vraiment assez hallucinant, je trouve, sur ça. Donc, pour moi, les quenelles, et je pense qu'elles sont aussi mangeables, un petit peu comme des knacky balls. Vous voyez, juste vous les réchauffez, vous pouvez même limite les manger froides, comme ça, cure-dents et autres, ça pourrait passer. À défaut de celle-là, où évidemment, tu peux le bouffer froid, tout ce qui est là, tu peux le bouffer froid. Mais le goût sera bien plus pénible que si c'était réchauffé. Donc, pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes, mais il y en a d'autres qui sont vraiment dégueulasses. Donc je vais vous faire. On va essayer de les regrouper, mais voilà. Donc en gros, vous avez toutes les quenelles et les sauces quenelles. En tout cas, je parle en conserve, hein, parce que vous avez des quenelles que vous pouvez acheter fraîches, en barquette, avec une sauce financière dans un bocal en verre, ou sauce nordique, ou des trucs comme ça, qui sont très bonnes. Je dis pas, moi j'adore les quenelles et la sauce comme ça. Mais en conserve, pour ce que j'en ai testé, c'est pas bon. Donc vous avez les quenelles, vous avez les plans sauce, donc bœuf bourguignon, coq au vin, tout ce qui est à base de vin rouge et dans cette variante-là, je vous déconseille fortement aussi. Les cannelloni pur bœuf, je vous les conseille pas non plus. Et les raviolis bolognaise, ça peut être pas mal à voir. C'est à manger nature, ça colle un peu plus, c'est pas mal. Mais bon, c'est pas un truc de ouf non plus. Disons que pour un repas, ça passe, mais si tu en bouffes 15 boîtes, je pense qu'au bout de la deuxième, au bout de la cinquième, tu vas vraiment être blasé. Donc voilà. Et on va terminer juste sur les grosses conserves et on sera bon sur ce stock-là.
Ok, et donc là, on va terminer sur un petit peu les gros formats de conserve qui sont plutôt pas mal. Je vous ai un petit peu parlé au début de ça. Donc, évidemment, pour moi, en termes de plats préparés, c'est un petit peu plus compliqué en grosse quantité. Tiens, je vois qu'il y a quelque chose à rajouter. Donc, pour moi, ça peut être pas mal d'avoir des choses comme des haricots verts, haricots beurre, juste en boîte comme ça, qui puissent être au cas où, donc bah, pour entre guillemets 4 personnes. En grosse quantité, qui puisse être fait pour, voilà, juste, t'as une poêle, tu chauffes, tu fais à l'haricot, au cas où tu les manges entre guillemets froid, mais bon, au cas où, ils ont toujours beaucoup de nutriments et sont mangeables assez simplement. Ok. Donc pour ça, deux boîtes de chaque, bon, à voir. On a tout ce qui est saucisse lentille. Donc là, vous avez des petits formats que je vous ai montré juste avant, mais là, c'est la version grand format. Donc ça, il n'y a pas de problème, ça se mange très simplement. Les petits salés lentilles sont un cran au-dessus, je trouve, parce qu'il n'y a pas uniquement des saucisses, mais il y a aussi des bouts de viande avec des carottes et tout. Donc c'est un petit peu plus quali en termes de qualité de coupe et compagnie. Mais ça se mange quand même très bien aussi. Donc vous avez ça. Évidemment, j'en ai pas parlé, mais il y a les choucroutes garnies. Alors ça c'est vraiment quelque chose à avoir. William Sorin, bon voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de pub d'eux, mais c'est vraiment de la qualité sur ça. Vous avez bon énormément de choux évidemment avec du jus, mais l'avantage c'est que vous pouvez vraiment faire revenir ça, le réchauffer tranquille. Vous avez voilà saucisse, des morceaux de lard, de porc à l'intérieur, et c'est relevé, ça a vraiment du goût. Et pour moi les choucroutes comme ça, donc c'est vraiment top à avoir comme ça. Si vous en avez peur d'en avoir entre guillemets un peu trop, bon, ce qui serait étonnant pour une réserve, on va pas se mentir, vous les avez aussi en petite quantité. Donc moi principalement tout ce que j'ai acheté c'est du côté de Leclerc et quelques petites choses comme les sardines et autres à Intermarché. Mais justement je vous conseille ça de tester certaines choses, je sais pas moi, à Carrefour, d'autres à Auchan, d'autres à Leclerc, d'autres à Carrefour. À Casino, excusez-moi, de tester un petit peu tout et de voir justement ce que vous aimez, ce qui pour vous colle à vos moyens et à ce que vous voulez faire pour votre réserve, et également ce qui vous fait kiffer, donc comme les conserves ou la pâte à tartiner, des bonbons, n'importe, des choses qui du chocolat, ou des choses comme les crèmes de marron et autres que je vous ai montré au début de la vidéo, qui sont extrêmement importantes pour moi à voir, autant pour le réconfort que aussi pour changer de goût. Parce que c'est ça qui est aussi embêtant, c'est que si tu n'as que des mêmes conserves, bah voilà, c'est bon, tu varies pas un peu les plaisirs, bah tu risques d'être vite mal. Et de prendre du miel aussi, mais du miel d'apiculteur, pas acheté en grande surface. Mais je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi. Donc voilà, la choucroute, petit salé, saucisse lentille. Pour moi, une des valeurs sûres où vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est le chili con carne. Alors oui, certes, ça te fera peut-être péter, mais c'est le meilleur. Pour moi, le chili con carne en conserve de l'éclair, c'est le meilleur qui est sur le marché, en tout cas que j'ai pu tester jusqu'à présent. Parce qu'il est au piment de Cayenne, et le piment de Cayenne, ça arrache. Donc autant vous dire que bon, ça arrache pas la gueule non plus quand tu le bouffes. Mais c'est relevé, ça a du goût, t'as pas besoin de sel, de poivre ou autre. Tu manges comme ça direct et c'est nickel. Et t'as un bon goût en bouche, tu vois. Donc pour moi, enfin moi j'adore le chili con carne, mais franchement, celui-là, il est vraiment très bon. Évidemment, conservable 4-5 ans, ça ne change pas. Les conserves, on est tous au même niveau. Donc ça reste au frais et ça ne bouge pas. Et pour clôturer cette session conserve, je vais vous parler de ceci. Alors ceci, je vais essayer de vous les montrer un peu mieux. C'est des conserves aussi qui sont un petit peu plus compliquées à trouver, qui coûtent un petit peu plus cher, mais qui pour moi sont aussi 4 crans au-dessus de toutes les autres. En tout cas, donc c'est des saucisses de Toulouse, excusez-moi, saucisses de Toulouse, la Belle Rouge et lentilles vertes du Berry. Okay? Donc voilà, c'est les conserves de la Belle Chaurienne. Celles-là, pour moi, c'est les meilleures qui existent en termes de conserves saucisses lentilles. Okay? Celles-là, c'est vraiment les meilleures. Écoute, je crois 2 ou 3 balles à l'unité, mais c'est des gros formats. Okay? C'est pas des... J'en ai trouvé qu'un gros format, ou alors vous en avez en plus petit format, un petit peu plus gros que ça aussi. Qui peut servir pour des trucs de couscous, de merde, de saucisses lentilles ou autre, bon bref. Donc pour moi, vraiment, si vous deviez juste en prendre une seule de tout ça, c'est les conserves de la Belle Chaurienne. Vraiment, vraiment pour moi, saucisses lentilles, enfin, saucisses de Toulouse, la Belle Rouge et lentilles vertes du Berry, elles sont
excellentes. Celles-là, elles sont excellentes. J'en ai testé l'autre fois une boîte et j'ai vu cette promo-là où il y en avait trois. Je n'ai pas pu m'empêcher de les prendre. Vraiment, elles sont incroyables. Donc vraiment, saucisse de Toulouse, chili con carne, petit salé, choucroute, des maquereaux, les miettes de thon, petit navire, quelques trucs de pâté. Voilà, les cocktails de fruits, les crèmes Mont Blanc, à ne pas oublier. Crème Mont Blanc, vous avez caramel, pistache, vanille, chocolat. Excusez-moi, vous en avez 4 types. Donc voilà, je vous ai fait le plus gros de tout ça. Ok, donc voilà, on est sur la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai fait énormément de compromis sur tout ça. Il y a beaucoup de tests, il y a du plus, du moins, des choses qui sont vraiment pas bonnes et d'autres qui sont vraiment excellentes. Je vous conseille vous aussi de vous appuyer sur cette vidéo-là parce que tout ce que j'ai dit là, je suis pas allé au feeling. Hein. C'est vraiment des tests qui datent de plusieurs mois. Il y a des choses qui sont faux au fur et à mesure. Il y a également, je pourrais faire des comparaisons avec des achats de repas stérilisés. Si jamais la vidéo vous a plu et que vous voulez en savoir plus sur tout ça, au cas où ce qui fait écho, nourriture de randonnée et compagnie, ça peut être très bon pour vous. Ça peut vraiment faire beaucoup de choses en plus à savoir. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Si vous pensez avoir des choses à rajouter, parce qu'évidemment, là, il manque des choses. Hein. J'ai pas rajouté donc, le miel, farine et tutti quanti. Hein, y a beaucoup de choses qui peuvent être rajoutées, comme des boissons gazeuses également, ou de l'alcool ou des choses comme ça qui peuvent être conservables longtemps, mais qui sont quand même, qui peuvent être quand même très cool à avoir en plus à rajouter. Malheureusement, je vais bientôt déménager, donc c'est pour ça qu'il y en a un petit peu moins que ce que je voudrais. Mais voilà, il y en a quand même une bonne partie, ça te fait une bonne base, en tout cas, ça vous fait une bonne base, je vous conseille de vous appuyer là-dessus. Si jamais, voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis c'était Tétarpoyant. À une prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous mets deux vidéos de chaque côté, la dernière vidéo de la chaîne qui est sortie, et puis une autre là au cas où, qui pourrait peut-être vous plaire aussi. Allez, ciao !